Prophète Asso Akwaba à New York. Merci. C'est une question d'ordre général que je voudrais vous poser. Ok. Vous avez effectué une série de voyages à travers les États-Unis. Okay. À la demande du grand public. Vous venez de mettre le cap sur New York. Vous pouvez nous dire les raisons profondes de ce voyage de New York. Très bien. Je m'appelle, je suis le prophète Joël Frasso, communément appelé le maréchal de la brigade anti-sorcier. Je suis effectivement une tournée américaine. Mais avant la tournée américaine, j'ai eu une tournée européenne. Voilà, donc j'étais n'est-ce pas en France. Après là, j'ai fait deux villes de la France, j'ai fait Lyon, Paris, et après ça, je suis allé, n'est-ce pas, en Suisse, j'étais en Suisse, j'ai fait, n'est-ce pas, encore, je suis allé à Bruxelles, j'ai fait encore pas mal de pays. Et comme d'habitude, comme de coutume, c'est la deuxième fois que je suis maintenant aux États-Unis, d'Amérique. J'ai un objectif, ma tournée, on a un but bien précis, c'est mobiliser la diaspora. Moi, je suis trop panafricain. Le combat que nous menons, il n'est pas forcément diplomatique ni politique, il est aussi spirituel. Parce qu'aujourd'hui, les esprits font qu'aujourd'hui, nos parents peuvent revenir en Afrique. Ça, c'est vrai. Ça, celui qui met la présence, la sorcellerie sur le sol africain, c'est que nous-mêmes les sorciers. Voilà. Il y a eu la chasse aux sorcières au Moyen-Âge. Les Blancs, les sorciers, dont on combattait la sorcellerie. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire. Ça fait partie de l'histoire. L'histoire est là. Vous partez sur Google, vous cliquez, la chasse aux sorcières, vous trouvez tout. Et pour qu'ils atteignent le seuil de développement sauvage, je suis un peu l'expression, aujourd'hui, vous voyez à New York, ça nous fait rêver, les malades, mais ils ont combattu la sorcellerie. Du 15e, 16e, 17e siècle, ils ont connu un sel glorieux qu'on appelle le 18e siècle, le sel de lumière, la révolution industrielle. Moi, c'est pour dire, pour avoir le développement, il y a aussi le spirituel qui doit être aussi traité. Il y a le spirituel qui doit aussi être traité. Malheureusement, chez nous en Afrique, on n'a pas traité ce spirituel-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Afrique est un scandale géologique. L'Afrique est un scandale géologique. Tout provient de l'Afrique. Et d'ailleurs, le rêve même des Occidentaux des Blancs, c'est de posséder l'Afrique. Parce que l'Afrique est le continent d'Amérique. La plupart de nos frères, que vous êtes, la diaspora, vous êtes venus vous chercher, selon notre langage ivoirien, tout ça, vous êtes venus vous chercher pour aller. Parce que si ce n'est pas chez nous, même si on a la nationalité, ce n'est pas chez nous. Nous avons des terres. Mais malheureusement, vous êtes attaqués. Vous êtes attaqués parce que moi j'ai une expérience dedans, étant moi-même victime de ça. J'étais en France quand j'ai été victime de la sorcellerie, d'une maladie mystique, et quand j'ai vécu puissamment, il m'a donné cette mission. Donc, il faut aller. D'abord, on a ouvert le centre de Digo, en 3 ans, nous avons eu 6 000, n'est-ce pas, visites depuis la diaspora. On avait la presse, tout le monde venait de là, 6 000 visiteurs. Donc du coup, on s'est dit, mais attends, la plupart de ceux qui nous suivaient, même la Côte d'Ivoire, ne nous suivaient pas par rapport à ceux de la diaspora. Ça veut dire que le sujet était tellement intéressant et les gens se retrouvaient dedans. Ce soir, j'ai l'habitude de dire aux gens, c'est pas la peine de combattre le prophète Crasso. Faites comme lui, vous allez avoir peut-être du succès. Les gens, ils ont un problème. Vous les enseignez la parole de Dieu, mais vous ne touchez pas leurs problèmes. Ils vivent des choses. Par moment, ils vivent des problèmes, des blocages, parce qu'eux-mêmes savent. Vous savez, Dieu a donné l'intuition à l'homme. Par moment, on s'est dit que ce qui se passe là, ce n'est pas normal. Et ce n'est pas faux. Or, pourquoi t'arrêter sur le stade, dit que ce n'est pas normal, il faut chercher une solution. Or, Dieu a donné un don. À chaque effort, Dieu soucie des personnes pour apporter une solution dans la vie des gens. Et c'est comme ça qu'on a décidé, j'ai décidé sous l'ordre de Dieu, de commencer mes tournées. Depuis 2015, je commence mes tournées. C'est l'année dernière que j'ai commencé mes tournées américaines. Voilà, donc cette année, j'ai relancé par la grâce de Dieu la tournée américaine. J'étais à Maryland, après ça, on allait au Texas. Je reviens comme ça d'Atlanta et là New York. New York c'était vraiment notre cible parce que ici New York c'est la grande plateforme, il y a plus de monde et c'est la diaspora, les gens viennent de partout. Il fallait vraiment traiter avec eux, prier pour eux surtout. Surtout c'est ça, prier pour vous pour que les sorciers, là, les mangeurs d'âme du pays là, vous laissent tranquille. Hein, qu'ils laissent vos affaires, qu'ils laissent vos trucs. Que vous créez, les gens croient à ça ou pas, ça existe. Voilà, c'est pas moi qui ai inventé. Et puis la sorcellerie aimerait que les gens aient dans l'ignorance la plus totale. Ils aimeraient que vous ne croyez pas en ça. Et la stratégie, c'est ça. Nous sommes Africains, nous avons une réalité. Et ça, personne ne peut ignorer la réalité africaine. Il y a ce qu'on appelle la réalité africaine, il y a ce qu'on appelle la réalité occidentale. Nous avons des réalités chez nous. Chez nous, en Afrique de l'Ouest, il ne neige pas, ici il neige. Donc ça veut dire que c'est une réalité. Voilà, chez nous, excusez-moi pour l'expression, chez nous, quand un enfant naît, on le purige. Quand il naît, il faut un purigeoir, peut-être numéro 2, pour le purger. Or, ici, ils n'ont pas besoin de ça. Donc, quelqu'un qui a été purigé, quelqu'un qui n'a pas été purigé, ils n'ont pas le même esprit. Vous comprenez? Donc, nous avons. Non, c'est la vérité, je vous dis. Ils n'ont pas le même. C'est pour ça que nos enfants sont très têtus. Ils sont les purigés. Donc, chez nous,
Vous voyez, chez nous en Afrique, il y a cette méchanceté-là. Hein? J'ai l'impression que c'est un peu dans notre ADN. On ne laisse pas les gens évoluer. Voilà. Parce que la sorcellerie, il y a beaucoup de choses à développer. Mais je pense que quand vous allez toucher le thème, hein, je vais vous développer ça. Mais pour l'heure, mes nouvelles, c'est que je suis là pour prier pour tout le monde. Dieu, il est pour tout le monde. Je suis très réjoui que dans cette salle, il y a des musulmans, il y a des chrétiens. Cette histoire de sorcellerie, ça n'a rien à voir avec la religion. J'ai musulman au son, je vais te moyer son grec, va te moyer le dos, va t'arracher. Si tu es chrétien, va te faire pizza, ou même barbecue, va te manger. Donc c'est une question, au fait, le problème c'est quoi? C'est, il y a crime. Les gens arrivent aujourd'hui à tuer, mais c'est ça le problème aujourd'hui. Les gens tuent, les sorciers tuent assez. Et pour ne pas que les gens, pour ne pas que nous perdons nos valeurs, pour ne pas que nous perdons beaucoup de choses. Parce que les gens ont des grandes connaissances. Je connais des gens ici qui ont des grandes connaissances. Mais j'ai peur de venir en Afrique. Il faut prier pour eux. Il faut bannir cette crainte en eux. Il ne faut pas qu'ils voient l'Afrique comme quelque chose de très sauvage. Mais s'ils ne vont pas, les enfants n'iront pas. Alors pour nous, pendant que les gens sont en train de faire une diplomatie, n'est-ce pas, pour permettre aux gens d'avoir le regard sur l'Afrique, pour nous aussi c'est spirituel. Nous, en tant qu'homme spirituel, c'est de venir vers vous prier pour vous. Vous aider, n'est-ce pas, à retrouver la confiance en Afrique et à venir investir en Afrique. Monsieur le prophète, d'un côté nous avons le christianisme et l'islam qui se développent. De l'autre côté, il y a la sorcellerie qui se développe à une allure incroyable. Très bien, j'aime bien que tu dis ça. Comment expliquez-vous ce développement en Afrique? J'aime bien l'expression que tu dis, la sorcellerie se développe à une allure incroyable. Et ça, vraiment, tu as vraiment trouvé. La tech, nous sommes aujourd'hui à l'ère de la tech, la communication de la technologie. La sorcellerie est une science occulte. Elle est évolutive. Aujourd'hui, la technologie atteint un niveau pas possible. Les gens vont jusqu'en sous la lune. Vous comprenez? C'est comme ça, oui. C'est comme ça, c'est la sorcellerie qui est très évolutive. Et c'est un sujet vraiment qu'on doit vraiment débattre. Parce que quand quelqu'un, on l'initie à la sorcellerie, ça veut dire qu'il doit forcément tuer quelqu'un avant d'avoir droit à la parole dans la confrérie. Ça, c'est la première étape d'initiation. Quand il a le droit à la parole dans la confrérie, donc chaque mois il doit tuer une personne. C'est-à-dire, par mois il doit tuer une personne, c'est quelqu'un qui débute dans la sorcellerie. Tant qu'il n'a pas tué les 12 personnes en matière de sorcellerie, il ne peut pas accéder au niveau 2, parce qu'il y a 3 niveaux. Il va accéder au niveau 2, le niveau 2 c'est une personne par semaine. Je vais vous expliquer un peu tout ça, par semaine. Et puis après ça, le niveau 3, c'est-à-dire quand il a le niveau 3, il a la possibilité de gérer tout Lyon, parce qu'il est, il est responsable de toute une confrérie. Voilà. Parce que tuer, ça veut tuer. Quelqu'un qui dit les sorciers, c'est qu'il tue. Parce que la sorcellerie, la définition de celui qui lance un mauvais sort. Le problème, c'est que nous sommes en danger. Et personne n'est à l'abri. La chose, heureusement, que c'est vrai que l'islam, la religion chrétienne, le fait même de s'approcher à Dieu, nous met à l'abri. Mais il faut évangéliser. Et il y a des gens qui ne savent pas prier. Et il y a des gens aussi qui jouent aussi avec leur histoire de religion. C'est vrai qu'ils aiment Dieu, mais ils ne sont pas vraiment pratiquants. Ils aiment Dieu, mais ce sont ceux-là qui sont parfois victimes de toute cette méchanceté. Il faut les approcher pour prier pour eux. Et vous avez touché un truc, la sorcellerie évolutive. Aujourd'hui, un sorcier peut rentrer chez vous à la maison et il peut déjà commettre assez de... Il peut installer leur caméra mystique. Il peut installer leur caméra mystique. Il peut déjà installer et initier vos enfants. Et puis Dieu merci, déjà dans le monde de décembre, vous aurez mon ouvrage qui va sortir. C'est ça le problème. C'est-à-dire, moi, si je n'ai pas été victime de ça, je n'allais jamais parler de ça, ça n'a rien dit. Mais c'est ça l'ignorance. L'ignorance, c'est la plus grande des maladies. Les gens sont ignorants, il faut les éclairer, c'est un système. La sorcellerie était dit tabou. Mais c'est nous. C'est la première chaîne sur le YouTube qui a commencé à révéler le secret de la sorcellerie. C'est pas parce que le prophète Krasso est sorcier, mais s'il était sorcier, jamais j'allais parler de la sorcellerie. J'allais jamais dénigrer la sorcellerie. Au cas où j'allais cacher. Parce que la sorcellerie, c'était secte sacré. C'est-à-dire, c'est caché. C'est des trucs mystiques. Quand on dit mystique, il y a mystère dedans. C'est nous qui avons démystifié. Donc ça fait peur aux petits jeux, aux marabouts. Parce que quand eux, ils aiment bien que les gens soient tués, ils aiment bien que les trucs rituels et tout ça, donc ça les fait peur. Mais nous, démystifions la sorcellerie. Vous avez vu comme quelqu'un qui dit, voici comment la sorcellerie se fait. Si tu n'es pas dans le temps, si quelqu'un n'est pas, il est contre le RDR, il est dans le parti RDR, il ne va jamais parler mal du RDR. Si quelqu'un est RPI, il ne va jamais parler mal du RPI. C'est quand tu es contre le RPI qui parle mal du RPI. C'est quand tu es contre le parti qu'on appelle le RDR que tu parles mal du RDR. Tu ne peux pas être dans le parti politique RDR et parler mal dans la salle, mais ils vont te gifler matin. Si moi je sers Satan, et puis moi je montre ses yeux comme il travaille, mais Satan va m'attraper, me chicoter comme son bébé. C'est pour dire, moi je suis dans le camp de Dieu. Moi je m'en fous de ce que les gens rencontrent. Voilà, ça m'intéresse peu. Moi ça m'intéresse peu. J'ai une mission,
Et c'est tout à fait normal que je sois attaqué, défendu. C'est normal. Parce que je vais très loin. Et moi, je démystifie. Je joue pas ça. Le problème, c'est qu'il y a tuerie. Point d'interrogation. Est-ce qu'il faut laisser les gens évoluer afin de tuer les gens? Moi, je dis non. Donc, je prends le taureau en main et je fais mon combat. Monsieur le professeur, ça c'est ma dernière question. Il y a longtemps, la sorcellerie était réservée à une certaine classe d'âge. Ah. De nos jours, ce sont les enfants qui pratiquent avec joie cette sorcellerie. Les enfants de 10 ans, ou la bonne de 22 ans qui est dans ta maison. Comment expliquez-vous cet attrait vers la sorcellerie par rapport aux enfants? Très bien. Je pense que les enfants étaient toujours dedans. Les enfants étaient un peu toujours dedans. Mais c'est parce que j'étais tellement méconnu. Mais maintenant, ça devient un peu plus grave parce qu'ils sont aussi stratèges. Parce qu'avec les enfants, c'est trop rapide. Parce qu'on les ignore. On ne pense pas qu'ils peuvent être dedans. Et c'est cette clash d'âge-là que les gars aiment beaucoup utiliser. Les gens ne pensaient pas qu'ils sont dedans. C'est comme les gens des FBI. Les gens sont habillés bizarres, ils ne pensaient même pas que les gars là, ils disent, hop, il est en train d'enquêter sur toi. Oh, il est en train d'enquêter sur toi. Les gens vous ignorez, ils ne pensaient même pas qu'ils sont dedans. Mais c'est ça. Parce qu'il faut changer de stratégie. En vendant le vieux, on a peur. Oh, on a plus du vieux, on est content. Mais le petit qu'elle a été mangé en 2 secondes. Fait pas de cul, sauce arrachée. Critique, il peut faire même donner et manger. Voilà, donc c'est aujourd'hui, parce que l'enfant d'ailleurs, généralement, l'enfant n'aime pas trop partager. Chez nous en Afrique, l'enfant ne partage pas. Quand tu lui donnes des trucs, hein, il a peur, il ne veut pas partager. Donc, le gars aime bien utiliser la. Et l'enfant, pour lui, c'est une expérience. Il voit que dans la nuit, il s'envole. C'est ce qu'il veut faire. L'enfant, il veut faire des expériences. Donc, il voit, il fait le voyage astral, il est content. Voilà, donc c'est la plupart du temps, et malheureusement, il ne faut pas que nos enfants soient dedans. Franchement, et c'est le combat qu'ils sont en train de mener. C'est ce qui m'a amené aujourd'hui à mettre une fondation sur pied, la fondation aujourd'hui, parce que les enfants sont beaucoup maintenant utilisés par la sorcellerie. Et étant dans la sorcellerie, les parents, quand ils ont cette information, déjà l'enfant, il est méprisé, on ne peut plus l'accepter chez soi. Et moi, je prends les enfants en charge. Je suis jusqu'à 1000 enfants que je suis en train d'encadrer. Donc, le prophète Crasso doit être encouragé parce que, et moi, je rends service à l'humanité parce que je ne prie pas les enfants. Moi, j'ai seul le ministère qui dit aux gens toujours. La sorcellerie est une maladie. Pourquoi? Parce qu'on peut, nous initier. Quand il y a initiation, c'est déjà maladie. C'est-à-dire qu'on n'a pas acheté ça dans un supermarché ni dans une pharmacie. Le monsieur, un matin, il sort. Personne n'a l'abri. Hein? Personne n'a l'abri. C'est parce qu'on a Dieu. Gloire à Dieu. La seule chose qui nous met à l'abri de la sorcellerie, c'est la présence de Dieu, la crainte de Dieu que nous avons. Voilà. C'est vrai qu'on n'est pas parfait. Moi, j'ai expliqué deux choses. On n'est pas parfait, mais on a la crainte de Dieu. Parce que quand on commet une erreur, on se confie, on se confesse, on demande pardon. C'est parce que cette crainte de Dieu-là nous fait qu'on ne peut pas aller adorer Satan d'une manière consciente. Il y a des gens, ils s'en foutent, ils adorent Satan d'une manière consciente. Ils sont sataniques. Ici, il y a Tchot pour Satan. Lui, il est satanique. Point barre. Mais nous avons la crainte de Dieu. Pour nous, notre salut se trouve en Dieu. Mais je pense qu'une génération en train de naître, il faut la préparer, n'est-ce pas, à cette l'émergence de l'Afrique. Parce que s'il y a la sorcellerie, il y a la catastrophe. Là où il y a la présence de la sorcellerie, n'est-ce pas, c'est l'anti-développement. Imaginez-vous un sorcier qui doit toujours manger par semaine, qui doit toujours manger par jour. Mais comment, qu'est-ce que. Mais c'est la raison de la mentalité au niveau de l'Afrique. Parce que nous mangeons bio. Tout ce qui est chez nous, c'est bio. Au village, à part de pollution, c'est des arbres. Mais pourquoi chez nous, il y a plus de mentalité qu'ici? Voilà, c'est le point d'interrogation. Parce que chez nous, mais qui est la première pour avoir la sorcellerie? La sorcellerie existe. Parce que celui qui dit que la sorcellerie n'existe pas, mais chez vous, pourquoi on peut nommer quelque chose qui n'existe pas? On ne peut pas nommer quelque chose qui n'existe pas. Si c'est un nom, c'est que ça existe. Et puis d'ailleurs, attends, les blancs même, vous voulez parler des blancs là, c'est un phénomène qui doit avoir combattu avant d'atteindre ce développement. Pourquoi ne pas les imiter sur ce plan? On imite tous les blancs et tout ça, mais pourquoi ce plan de sorcellerie là? On n'a jamais pensé à ça. On s'est dit non, parce qu'ils veulent nous faire croire que. Parce qu'ils savent que si on arrive à ce stade aujourd'hui, on a pu combattre la sorcellerie. Frère, nous allons décoller par rapport à eux. Parce qu'ici, parmi vous ici, il y a des gens qui sont très intellectuels, ils retrouvent les blancs sont les meilleurs. L'Africain n'est pas dernier, frère. C'est la sorcellerie qui nous met en retard. Parce que la sorcellerie, c'est quand la sorcellerie dans une famille, ça met les gens en retard. Et c'est ce retard-là que nous voulons combattre, sur le plan spirituel. De toute façon, l'Afrique est en retard sur tous les plans. Moi, je suis un panafricain dans la tête. Ça n'a pas dit que je fais politique. Je ne suis pas là pour dire voter celui-là, voter celui-là. Moi, je présente le problème d'Afrique sur le plan spirituel. Et je pense que j'ai déjà la solution. Je suis passé dans beaucoup de points. André, ici, son village était un endroit où il y avait la sorcellerie. Par mois, ils ont rempli un cimetière pendant ce André là. Son village à repos, ils ont arraché un cimetière en 3 mois. Ils ont rempli un cimetière en 3 mois.
En 3 mois et 5 ans, je suis arrivé là-bas, beaucoup de choses se sont arrêtées par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, il y a le développement, ils ont de l'eau potable, il y a le château d'eau, ils ont de, la voie qui est passée là, la maternité est créée, le dispensaire est venu dans le village. Mais avant moi, il y avait d'abord le président du conseil qui était Ingrid, qui était président régional, qui était même ministre sous Babo. Qui était ministre sous Babo, qui n'a pas pu construire le château d'eau là-bas. Mais depuis que je suis arrivé dans cette région, que j'ai commencé à mener mon combat contre la sorcellerie, la voie est passée. C'est bitumé, la voie de qu'on appelle Divo jusqu'à Iré, c'est bitumé. Et Zaroko aujourd'hui est construit. Mais ce qu'on dit, pensons aussi à la spiritualité, parce qu'il y a deux mondes qui caractérisent notre monde. Il y a le monde spirituel et le monde physique. Et moi, mon combat, je le mène. Je m'en fous de ceux qui sont aigris. Je m'en fous de comment les gens le prennent. Je n'ai jamais vu Satan en train de combattre Satan. Jamais. Je n'ai vu ça. Et ça n'existe même pas d'ailleurs. Voilà. Donc ceux qui ne viennent pas sur les réseaux sociaux, je les comprends parce que je dénonce leur papa Satan. Je comprends parce que j'ai commencé à éclairer beaucoup de gens. Je suis arrivé en France, la plupart de ceux qui sont dans le combat sont des radios, des télévisions, l'Afrique centrale, ils ont cette manière-là. J'arrive de Divo, moi je suis à Divo, hein. Je ne suis pas à Bidjan. Pour quelqu'un qui a petit, il va chercher l'argent. Je suis à Divo, on a toujours besoin d'argent. Ça, on a besoin d'argent. Et même la chaîne de télé qui parle, sur la chaîne de télé, ils demandent aux gens des cotisations. Ah, c'est des cotisations, ils vivent de ça. De eux à nous qui en a. Parce que nous, quand on vous demande, on vous délivre. Vous êtes délivré. Bon, eux donnent, vous donnez chaîne de télé, ça fait quoi quelqu'un? Le monsieur est malade, nous, tu donnes l'argent à chaîne de télé. Après, c'est écrit. Nous autres, les gens nous soutiennent parce qu'ils voient le bon travail que nous sommes en train de faire. Et nous sommes en train d'embrasser dans un travail. Je quitte Divo, je remplis ça de 3000 personnes. Et à Lyon, c'est la première fois qu'un homme, un pasteur africain remplit ça de Lyon. Ça, je ne parle pas de Paris. Paris, tout le monde peut aller crier. C'est comme New York. Mais à Lyon, je remplis la salle. Donc du coup, les gens cherchent à voir mon histoire. Mais bon, il est simple. Je touche du poids le problème des gens. Le problème des gens, les touche du poids. Et science tenant, les gens sont délivrés de la sorcellerie. Vous comprenez? Et les gens, ils savent que ce que j'ai dit, je le connais déjà. Voilà, donc c'est tout. Chacun a son don. Il ne faut pas jalouser les gens. Et puis d'ailleurs, quand tu veux parler de quelqu'un, ce n'est pas les réseaux sociaux. Quand tu arrives sur les réseaux sociaux, en matière juridique, ce qu'on appelle diffamation, diffamation, ça ne se fait pas en matière juridique. C'est nous qui avons. Les blancs n'ont pas ce temps-là. Les blancs, quand tu. Avec les blancs. Les blancs, quand tu dis pas de quelque chose, les gens ont dit, qu'est-ce que toi tu sais du monsieur? Chez nous, les Africains, comme ça dans notre sang, on aime toujours les trucs à polémique. Les blancs, quand tu abordes un sujet, les gens ont dit, mais qu'est-ce que toi tu sais? Quel est ton témoignage? Toi, qu'est-ce que tu témoignes de la personne? Qu'est-ce que tu dis de la personne? Donc moi, je suis là pour une mission. Ça n'empêche que les gens soient en train de m'attaquer de gauche à droite, ça n'empêche. Mais je suis là pour vous aider, je suis là pour aider toute la diaspora. Je continue ma mission, je n'ai pas peur de ça. Voilà, les gens montent une vidéo, j'étends une. Moi, je suis un déterreur des Canaries. En quoi ça vous fait mal? Je déteste Canaries mystiques. On dit c'est mystique. Toi, tu ne peux pas déterrer. Moi, je déteste ça, puis je sauve les familles. Mais en quoi ça te fait mal? Quoi? Ça te fait mal. Je m'aide dans le village. Vous mettez derrière les réseaux sociaux pour parler. Moi, je suis un homme, je fonce dans un village. Quand je trouve un sorcier, je le mate. Spirituellement, c'est pas quand je chicote. Hein? Parce que quand il me défie, je le mate. Et puis, je l'emmène à Jésus. C'est mon travail. Voilà. Donc, celui qui est gris, bonsoir. Je continuerai le combat de la société. Monsieur le prophète, une autre question. La sorcellerie des cols blancs. Je vais parler de la rose croix et les francs-maçons. Bon, je ne veux pas. Quel regard jetez-vous sur cette partie? Bon, votre regard. Bon, moi, je vous ai parlé d'Africains. Je suis dans le tour d'Africains. Laissez-moi pour les blancs la tranquille. Rentrons dans nos parcours d'Africains. Ils n'ont qu'à aller gérer leur école de blanc. Moi, je suis africain. Mon vieux du village n'est pas franc-maçon. Ma vieille du village n'est pas rose-croix. Donc, eux, ils n'ont qu'à gérer leur histoire. Gérons-nous nos histoires de sorcellerie noire, magie noire. Il ne faut pas qu'on reste là. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui votre popularité au sein de la diaspora? Bon, le prophète Krasou n'est pas méchant. C'est ça que les gens ont remarqué. Hein. Ce n'est pas parce que je chasse la sorcellerie. Hein. La plupart des gens, je ne suis pas méchant, parce que j'ai construit mon orphelinat avec 7 millions de francs, c'est pas, après un fonds propre. C'est vrai que d'autres personnes m'ont aidé. Quand j'ai commencé l'orphelinat, j'avais une X-Pipe, une voiture que j'aimais bien. J'avais deux voitures, et puis j'ai vendu ma X-Pipe. Puisque moi, étant orphelin, mon rêve c'était de construire un orphelinat et partager mon expérience aux gens. Parce que j'ai vécu orphelin, j'ai grandi orphelin, et Dieu m'a permis de réussir ma vie. Donc, au moins, il fallait construire un orphelinat. Moi, j'ai construit un orphelinat.
J'ai mis les enfants là-bas. Et puis d'ailleurs, pour moi, quand tu es quelqu'un sorcier, ce n'est pas une fée en soi. Je me dis, il est sorcier, on peut le délivrer. Or, les gens, quand quelqu'un est sorcier, on le rejette. Voici ma particularité, c'est l'amour que je vais pratiquer dans ce que je fais. Suivez, c'est ça. J'ai dit aux gens, n'ayez pas un esprit figé. Et c'est un peu le problème du nègre. Le blanc, quand tu parles de quelqu'un, il enquête sur lui. Parce que quelqu'un qui n'aime pas crasseux, il ne parlera pas de moi. Maintenant, quel est le témoignage que toi, tu retiens de crasseux? Toi-même, quelles sont les enquêtes que tu as menées sur crasseux? Du début jusqu'à la fin. Parce qu'une vidéo contre une miroir ne peut pas t'amener à dénigrer ou même détester. Ah, il a commencé à avoir peur. En fait, c'est ce qu'il veut atteindre. Oh, les blancs, j'en veux passer sur stage. Voilà, parce que, et puis, il prend le temps d'enquêter. Oh, je suis ouvert, j'aime bien ce que vous êtes en train de faire. Si vous, vous trouvez que ce que le prophète crasseux fait n'est pas normal, mais invitez-moi à une conférence ou bien approchez-moi. Moi, j'invite tout le monde, hein. Tous ces chefs qui me dénigrent sur les réseaux sociaux, je les invite chez moi. Est-ce qu'ils m'ont une fois approché? Moi, c'est l'amour qui est pratiqué dans ce que je fais qui me rend un peu populaire. Parce que je n'ai pas une maison, je n'ai pas acheté de maison habitant. Sinon, je peux l'acheter à 27 millions, d'acheter une maison. Mais j'ai d'abord le loger des enfants. Parce que je prépare une génération future. Je me dis, cette génération, chez nous en Afrique, l'enfant vient au second plan. C'est pour ça qu'on est beaucoup en retard. Parce qu'on ne pense pas à la succession. On ne pense même pas à ça. Donc, moi, j'ai commencé. Puis d'ailleurs, vous voyez ce livre-là, je vous montre un peu ce que je suis en train de faire. Je suis le prophète crasseux. Voici ce que je fais. J'envoie des jouets. Voilà, j'envoie des jouets. Regardez, je cible des villages dans les régions et j'envoie des jouets. Où là, où on ne peut pas avoir Papa Noël, j'envoie un Papa Noël là-bas. Ce qu'ils voient à la télévision, je les partage des jouets. Et c'est rien du tout, hein. Quand les gens finissent de fêter les fêtes de Noël janvier, les jouets qui sont stockés dans les magasins, là, nous, en janvier, on commence déjà à les acheter. Après, on les stocke. C'est notre stratégie. Là, ça revient moins cher. Et puis, on les stocke. Après, on les redonne dans les villages pour égayer les enfants. Et puis, on a un message qu'on apporte. Regardez. Vous voyez ici, à part les jouets, voici. Vous voyez ici, c'est un sac de riz. Voici un sac de riz. Voici un enfant, une fillette qui va à l'école avec ce sac-là. Moi, j'ai remplacé ça à table. J'ai offert cette année, voici ça, vous voyez. Cette année, 500 kits scolaires aux enfants. C'est rien. Avec 2000 francs, on peut faire un kit scolaire. 2000 francs. Quand la rentrée scolaire passe, ce qui est stocké dans les magasins, vous les achetez, vous les gardez de côté. Parce qu'aujourd'hui, il faut éduquer les enfants. Parce qu'aujourd'hui, si, c'est parce que les gens ne sont pas intellectuels. C'est parce qu'ils ne sont pas intellectuels qu'ils ont tout ce temps-là pour s'occuper des gens. Nous, on n'est pas intellectuels. C'est ça. Les gens ne sont pas intellectuels. Nous, ils ne cherchent pas, ils sont faillis. Ils sont casés dans la tête. Oh, les enfants, si vous les éduquez, parce que la place de l'enfant, ce n'est pas au champ. La place de l'enfant, ce n'est pas, n'est-ce pas? C'est l'enfant, c'est l'école. Et puis en même temps, j'encadre aussi les veuves à fond propre. Aujourd'hui, je prends 90 veuves. Ça, ça guérit 30 000 francs par mois. Mais je l'ai fait. Ça dit, je ne vis pas pour moi. C'est ça qui fait le succès du prophète crasseux. Je ne vis pas pour moi, je vis pour les autres. Vous comprenez? Voilà, donc voici ça. S'il y a de l'argent, je partage. Je loue maison. Ça, je suis obligé de partager ce secret. Je paie maison de 50 personnes à Abidjan. Abidjan, comme à Divo, je perds la maison. Parce que c'est ça, servir Dieu. On a servi des hommes. L'argent que nous avons, ça ne nous appartient pas. Ça appartient aux hommes. Ceux qui ne me connaissent pas, peut-être peuvent parler. Mais ceux qui me suivent, ils savent ce que je fais. Ils le savent. Venez enquêter sur moi. Je suis très ouvert. C'est ça qui fait maintenant ma popularité. Parce que quand une personne est rejetée, moi je la récupère. Voici ce que j'ai fait. Voici ce que j'ai fait, voici le quai scolaire. Et ça, c'est à Zaroko dans son village. Je n'ai pas voulu, je ne suis pas allé demander de l'argent au cadre du village. Non, j'ai mis une stratégie en place. J'ai compris que juste après la rentrée scolaire, les gens ne voyaient plus les écoutes scolaires. Moi, je les récupère à vil prix. Et puis, je les stocke. Et quand il y a la rentrée scolaire, mais les mêmes punitifs, c'est les mêmes choses qu'on revend. Et puis, je redonne aux gens, voici un peu où est parti. Parce que l'homme n'est pas que seulement que spirituel, mais il y a le volet physique de l'homme qu'il faut traiter. Donc voici un peu ce qui fait ma popularité. Et puis regardez ce que je fais. Je donne à manger aux enfants. Je leur donne à manger. Voici un peu ce que je fais. À part la spiritualité. Donc, je ne suis pas possédé. Quelqu'un qui est possédé ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça. Monsieur le prophète, avec votre permission, nous allons passer le micro à l'audience. Il va donc. Autant pour moi. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Karim.
Oui, vas-y. À commencer à certaines questions sur votre parcours, etc. Mais honnêtement, j'ai été vraiment frappé par les images que je viens de voir. Et je voudrais commencer par ces images. Merci. Oui, parce que je pense qu'il faut qu'on vous soutienne. Merci. C'était le propos de l'ambassadeur de l'ONU qui m'a dit qu'il faut qu'il me soutienne tout ça. Il faut qu'on me soutienne. Ouais, il faut qu'on vous soutienne parce que ça pourrait plus de personnes. Il faut qu'on vous soutienne parce qu'il y a très peu de personnes qui font comme vous. Merci. De se mettre au service des hérités, des enfants, des femmes. Alors, comment vous faites pour vous occuper de. D'où provient les sous. Ok. Comment est-ce que vous avez ces sous? Les sous, vous venez de parler, donnez-moi un petit secret. Et en même temps, est-ce qu'on peut dire que votre arrivée ici, à New York, c'est dans ce cadre aussi? Non. Qu'est-ce que vous attendez de la diaspora? Merci. Est-ce que vous voulez qu'on vous dise, qu'on vous soutienne? Est-ce que vous avez une version d'asseoir un bureau ici, par exemple, une fondation ou une fondation pour un fan club qui sera gérée par exemple par la diaspora ivoirienne ici pour vous soutenir. Très bien, je réponds d'abord à la question, est-ce que vous les prophètes, le prophète est un homme d'affaires, hein. Moi j'ai mes petits business, je suis en train de faire même des champs de jeune, même à Zaroko, j'ai 3 hectares, je suis en train de faire des champs Zaroko, j'ai ma structure voie de communication, voilà, et puis aussi un studio d'enregistrement, et le prophète aussi chante. J'ai jusqu'à 7 albums, donc j'ai perçu mes droits d'auteur pour Burida. Je suis aussi producteur. Voilà, aussi, je suis aussi dans l'or. Le prophète aussi Crasso, il est aussi hop ailleurs. Donc j'ai aussi de l'or. Voilà, donc voici moi je prends mes d'argent. Parce qu'aujourd'hui, je n'attends pas des collectes. Chez nous à Divo, si vous voyez vos offrandes, c'est 2000 francs, 5000 francs. C'est-à-dire ce sont les paysans, c'est les villageois. Et heureusement aussi que par moments les gens me soutiennent. Des hommes de bonne volonté, mais je suis pour faire Crasso, je suis dans les affaires. Je fais aussi les VIA et je fais plutôt le jam, je suis dans les affaires. Voilà, donc j'ai mes affaires personnelles. Mais il y a aussi des personnes de bonne volonté qui m'apportent aussi leur soutien. Voilà, donc je ne suis pas venu pour avoir une intention de mettre un fan club. D'ailleurs, mais le fan club est déjà là avant que je sois là. Les gens qui m'apprécient très bien, Madame Bousso. Mon maire du New Jersey, tout le monde, tous ceux qui sont là, ce sont les fans, la plupart font partie, parce qu'ils apprécient le travail que j'ai fait. Laissons le côté prophète, hein, le côté humaniste, là. C'est ce que les gens apprécient beaucoup. Parce que c'est ça. Donc c'est les gens ici, étant ici, lui-même, il m'a apporté déjà des lettres, il m'apporte des lettres. Mais je pense que je suis venu pour un but bien précis. Les gens sont malades, ils ont des problèmes de sorcellerie. Ils ont problème, ils sont bien habillés, mais à l'intérieur, c'est des problèmes. Ils ont des soucis, ils n'arrivent pas à se marier. Les problèmes de papier, les problèmes de situation bizarre. C'est ça d'abord, qui ma première préoccupation. D'abord, ma première préoccupation. Maintenant, chacun est libre d'aider cette fondation. Parce qu'en aidant cette fondation, c'est d'apporter un sourire à un enfant au niveau de l'Afrique. Parce que pour moi, ce qui est intéressant, je ne cache rien. Toutes mes sciences sont live. Mon programme de Divo sans live, je ne cache pas. Quand un sorcier parle sans live, on ne cache pas. C'est pour ça qu'il y a le YouTube. Voilà, il y a le YouTube, donc tout est humain. Merci déjà d'avoir souligné ça, parce que l'ambassadeur qu'on a rencontré, même dit ça, il faut qu'on déchouffe un prophète, parce qu'on voit, parce que les gens voient. Parce qu'il y a ce qu'on dit, et puis il y a l'esprit critique, qui nous amène après une enquête personnelle. Ce n'est pas ce qu'on dit là qui est forcément vrai. Qu'est-ce que toi tu as retenu du prophète Crasso? Ça c'est vraiment très important. Qu'est-ce que tu retiens du prophète Crasso? C'est vraiment très important pour moi. Ce n'est pas forcément mettre le fan club en place, c'est déjà l'enfant qui était déjà ici. Les gens apprécient mon travail, ils priment beaucoup pour moi. Les gens m'appellent, ils me soutiennent. Voilà, la preuve c'est que la famille Bosso, tout ça, là, c'est ça. Le travail, je suis un musulman, mais ils sont engagés à fond dans ce que je fais. Voilà, c'est pour vous dire, je ne suis pas là pour mettre un fan club, mais en même temps, si quelqu'un me donne 1 000 $, ce n'est pas mauvais aussi. Hein. C'est pas aussi mauvais. Voilà.
On va aller manger du critique. Je vais poser certainement une série de questions ensuite de passer le fois à l'autre. Et puis certainement on va répondre à la succession. Alors vous êtes très jeune, c'est à peine que je vous donne la quarantaine. Et on sait que la sorcellerie est à un niveau beaucoup plus élevé au niveau des adultes, des ancêtres, et tout ça. Alors comment vous, très jeune que vous êtes, intrépide, comment vous faites pour braver cette peur? Est-ce que vous n'avez pas peur qu'un jour quelqu'un voilà, vous terrasse? Quel est votre secret? Ensuite, voilà, lorsque vous faites délivrer les gens, d'abord, la sorcellerie, elle est beaucoup spirituelle. Oui. Elle n'est pas palpable, comprenez? Jusqu'ici, il y a des gens qui ont du mal vraiment à croire à l'existence de la sorcellerie. Alors, comment vous réussissez à convaincre quelqu'un qu'il a été dans un en sorcellerie? Est-ce que ce ne sont pas des... vous ne vous servez pas, par exemple, de votre prophétie, par exemple, de spiritualiser un peu les gens, pour les faire croire qu'ils ont en sorcellerie. Ensuite, ces gens vont réellement croire qu'ils sont en sorcellerie quelque part, mais c'est plutôt les messages que vous donnez, par exemple, qui convainquent les gens qui sont en train de la sorcellerie. Est-ce que vous démontrez de façon palpable, que telle personne est en train de la sorcellerie? Je vais finir la question. Merci. Moi, j'aime bien les questions comme ça. J'aime bien les questions. Très bien. C'est une très bonne question. D'abord, est-ce que le prophète Kassou est jeune? Pourquoi il est dans cette histoire? Parce que la sorcellerie, c'est place d'âge, les pays. Mais si moi, il était vieux, les vieux, là, ils me convainquent. Moi, j'ai un avenir. Je travaille. C'est pour toute une vie. S'il était vieux, il allait vite mourir. Et ça n'allait pas aider les gens. D'abord, le prophète Kassou n'est pas venu dans le ministère parce qu'il voulait être dans le ministère. Bon, ma biographie en parle. Parce que j'ai fait l'effort pour mettre ma biographie sur Google pour ceux qui veulent savoir mon histoire. De l'islam, je suis devenu chrétien. Mais victime de la sorcellerie. Mon père est mort. Je suis le seul de ma famille qui vit. Mon seul. Le père de la mère, je suis le seul. Je suis le seul vivant. Mon père est mort de la sorcellerie. Tout le monde est mort de la sorcellerie. J'étais attaqué par une maladie mystique. Et c'est comme ça que le Seigneur Jésus-Christ m'a miraculeusement guéri quand j'étais en France. Et c'est comme ça que j'ai un diplôme à mes docteurs. Donc j'ai toutes mes facultés, j'ai pu bien travailler. Mais c'est parce que j'ai vu Jésus-Christ, il m'a confié cette mission. Je ne suis pas prophète parce que je voulais être prophète. Le prophète avait dit un message. J'ai un message, d'apporter un message, de dire aux gens qu'on peut s'en sortir si on est vraiment sorcier. Maintenant je dis, par rapport à Révélation, je vous conduis sur le YouTube, par exemple. Vous allez voir que dans un village, j'avais un esprit qu'on appelle Dragon. L'esprit grave. Okay. Et cet esprit-là, c'est les serpents. Donc, il buvait le sang des gens dans le village. Et ça créait beaucoup de choses dans ce village. Le village qu'on appelle Bro. Bon, donc, les gens m'ont invité pour délivrer le village. Je pars dans le village, je parle aux gens, et on prie. Et devant eux, j'ai détruit la termitière où se trouvait le serpent. Et j'ai tué le serpent devant tout le monde. C'est pas pour dire, c'est pas sur une personne que j'ai exercé. Ce don-là. Il y avait une situation qui se vivait dans le village, le Seigneur m'a utilisé, et la vidéo même est là, sur le YouTube, j'ai détruit. Pourquoi les gens n'ont pas cette vidéo? Et puis c'est d'autres vidéos, les gens. Il y a des vidéos qui parlent beaucoup. C'est des vidéos qui parlent. C'est pas une question de vision, de prophétie, c'est quelqu'un. Voilà, donc c'est pas une question de prophétie. Moi, j'ai la capacité de dire à quelqu'un, voici ce qui se passe. Et la plupart du temps, quand quelqu'un se sent, parce que mon don, j'ai la capacité de savoir qui est sorcier. Je te dis, voici ce que tu as fait, et toi-même, tu pars. La plupart du temps, je ne mets pas les gens sur une pression. Quand celui qui ne veut pas parler chez moi, il s'en va. Voilà, donc ce n'est pas une vision que je donne. Les gens qui rencontrent des mésaventures aux gens, moi je te dis, je te délivre. Moi, je suis un homme d'action. Je ne suis pas un homme de parole qui parle. Je délivre les gens. J'étais à Lyon, en matinée européenne, il y a plus de 40 personnes qui avaient des piquets qui ont marché. Qui avaient des prothèses dans la colonne de Tréba. On a prié pour eux qui ont marché. Voilà, donc c'est palpable, c'est pas une question de... C'est ça qui fait que les gens apprécient mon ministère, parce que je cache rien. Je suis pas comme le marabout. Le marabout, il te met derrière un drap sale, toi et vous êtes là-bas, il te fait boire pour là, bizarre, de sa sale bouche là. Il t'envoûte là-bas, il te lave, t'envoûte,
tu sors, tu dis à personne, ou moins tu marches, tu ne vas pas derrière. Moi, je ne suis pas dans ça. Pour moi, c'est à Paris, c'était le live, tout un live. Donc, c'est, je ne cache rien. Ne peux pas présenter un fichier blanc et vous dire que c'est noir. Les gens qui ont la vérité, ils savent. Les gens qui ont le discernement, ils savent. Où se trouve la vérité? Voilà, donc moi, je ne me base pas sur les prophéties. Je suis un homme de délivrance. Je délivre les gens. Quand j'ai dit, il fait. Quand j'ai dit, voici, l'action est posée en même temps. Donc, j'ai un résultat dans ce que j'ai fait. Ce qui fait que mon ministère a beaucoup de succès. J'ai un résultat. Ce n'est pas les paroles en l'air. Je disais ça, le village, il est là, le monsieur est là, il s'appelle André. Son village est envoûté. Je suis allé dans le village, le village était délivré, il est déjà repos. Il est assis, il est déjà repos. Le village, je disais tout à l'heure, c'est un village où j'enterrais les gens. En 3 mois, je remplis un cimetière. On commence à enterrer les gens partout du mercredi jusqu'au dimanche, on enterre les corps. Et quand je suis arrêté là-bas, tout s'est arrêté. Le château d'eau qu'ils avaient construit, deux châteaux d'eau qu'ils avaient construit, qu'on met le fer, ou creuset, le fer qu'on met en intérieur, la terre se fond. Ça se fondait comme ça. Le dispensaire était bloqué, la maternité était bloquée. C'est depuis que je suis arrivé là-bas. Moi-même, je me suis lavé l'eau du barigo. Et puis, je suis resté 3 mois sans sortir dans le village. J'ai commencé à faire un travail. Et j'ai prophétisé. Ce qu'il a dit, ça s'accomplit aujourd'hui à la lettre. La vidéo même là, les gens en parlent, les gens témoignent. Et puis, on est réparti, fait encore un reportage avant Crasso et après Crasso. Vous comprenez donc? Je ne suis pas celui qui prophétise, mais j'apporte la solution aux gens. J'aide les gens. Merci. Eh, je t'envoie, je te lance. À partir de l'instant, je vais vous... Oui, de la dernière, la première jusqu'à la dernière vidéo. Wow. J'aime bien tes questions, tout ça. Je suis le genre qui n'aime pas blâmer les hommes de Dieu. Chacun a reçu son appel. Moi, je n'insulte pas quelqu'un, je ne dis pas que je suis le meilleur des hommes de Dieu. Mais je pense que s'il y a plus de mentalité, qu'il y a plus de présents de sorcellerie, Dieu va multiplier ses serviteurs. C'est comme s'il y a plus de bandits ici à New York, mais le nombre des policiers vont augmenter. Moi, je pense que c'est un peu comme ça. Parce qu'aujourd'hui, comme je disais, la sorcellerie est évolutive. S'il y a plein de mal, il y a plein de choses qui ne sont pas bien. Le Seigneur va suggérer beaucoup de ses serviteurs. Je ne dis pas que je suis le meilleur serviteur de Dieu, mais je suis quelqu'un, celui qui est faux, il est faux pour lui. Mais moi, ce n'est pas à moi de juger quelqu'un. Voilà, pour moi, c'est parce qu'il y a tellement de mauvaises choses que Dieu suscite des serviteurs dans des domaines bien spécifiques. Et ça, c'est vraiment très important. Avant, il n'y avait pas assez de monde, maintenant, il y a assez de monde. Il y a beaucoup de monde, donc il faut qu'il y ait beaucoup de serviteurs de Dieu. Suite à cette question, on a aussi remarqué que sur les réseaux sociaux, bien sûr, il y a des pasteurs, ou bien vous faites, que je parle de l'énormément ici, qui font
camper par cette formule. Est-ce que ces pratiques, normalement, sont bibliques, c'est ça? Qu'est-ce que vous pensez? Oui, moi, comme je disais, je ne rentre pas dans les critiques. Critiquer un pasteur, moi, je dis, enseignez nos fidèles. S'ils sont enseignés, ils seront qui est dans la vérité et qui n'est pas dans la vérité. De toute façon, il y a les bons pasteurs, il y a aussi les mauvais pasteurs. De toute façon, il y a les bons prophètes, il y a aussi les mauvais prophètes. Donc nous, en tant qu'hommes de Dieu, c'est vraiment ça comme notre truc d'enseigner nos fidèles pour qu'ils aient le discernement pour savoir qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Donc moi, tout ça, je ne vois pas en train de dire c'est de Dieu ou c'est pas de Dieu. Pour moi, la seule chose que je demande aux gens, c'est d'avoir le discernement. Quand on a le discernement, on peut savoir qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu. Voilà. Il y a d'autres questions que je voulais poser, mais c'est des questions qui étaient déjà posées par les collègues et tout. Mais je suis très, très, très. Mais dis-moi, même si tu l'avais pas, on mettrait des questions. Tu cherches, dis-moi ça. Pourquoi avoir pas les débuts? Non, ils ont déjà. Et puis tu as bien répondu à cette question. Je suis impressionné. Merci. Je suis très impressionné par ta réponse et tout. Ça m'a vraiment convaincu. Et je pense que ça va convaincre d'autres personnes qui étaient de toi. Merci. Et voilà, et c'est la fin de tes questions. Question. Mais j'ai pensé que tu allais me perturber tes questions. Non, mais pas du tout. Merci. Merci à tout le monde. Je voulais poser une question au prophète. Chacun de vous va prendre le micro pour parler de votre question. Le téléphone. Prophète Frasso, et nous attendons par les uns et les autres que vous êtes féticheux, que vous n'êtes pas un homme de Dieu. Mais quand nous voyons les actes que vous posez, pour nous, croyants, nous trouvons que vous êtes en train de faire un travail noble. Merci. Et pourquoi les uns et les autres vous traitent de féticheux? Bon, moi je voudrais que les gens m'expliquent un féticheux, comment il fait? Et puis un homme de Dieu, comment il est? Pour que les gens expliquent. Voici le féticheur, comment il se comporte. Est-ce qu'il va une fois trouver un fétiche chez moi? Point d'interrogation. Qui me dise, je suis allé chez le prophète Crasso, je vous demande à plusieurs, voici sa chambre, voici les fétiches. Ok. Mais je ne fais pas du semblant. Je suis libre d'adorer Dieu comme d'adorer Satan. J'ai pris l'engagement de servir Dieu. Comme je disais, j'ai trouvé en Dieu mon salut. Je ne peux pas venir m'amuser avec mes fétiches. C'est ce qu'on faisait dans le passé avec les parents. Ça n'a pas apporté. Il y a mon histoire. J'ai été délivré par Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus m'a délivré. On dit qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits. Un féticheur, il est dans le mysticisme. C'est-à-dire qu'il ne montre pas ce qu'il fait. Ce qu'il fait là, il ne montre pas ça. Bon. Et dire que le prophète Crasso est féticheur, c'est que tu as des preuves. Sinon, moi j'écoute ce que les gens disent. Ça m'aide aussi. J'écoute un peu ce que les gens disent. J'ai l'impression que c'est les paroles, les propos diffamatoires, parce qu'ils n'ont pas de preuves. Et c'est, excusez-moi, c'est des choses, excusez-moi, les choses à la fin. Par exemple, ils prennent une vidéo qui balance. La pauvre vieille, là, le prophète Crasso allait séquestrer une vieille. Ils ne connaissent pas l'histoire de la vidéo. L'histoire de cette vidéo, c'est à Dibouré. C'est un village qui est dans la commune de Dibou, c'est à Dibou. Et cette vieille-là, elle avait un problème avec ses enfants. La vieille-là, elle allait au Maribou. Elle allait prendre de l'eau Maribou et puis elle a vu apparaître un être, un esprit, qui avait la forme humaine et la tête d'un serpent. Et l'esprit a dit à cette vieille-là, je suis, mais il ne faut pas avoir peur de moi, je vais te donner un bonheur. Elle dit, ok, mais comment le bonheur? Et amène-moi chez toi la maison, mais comment? Et puis l'esprit s'est transformé en un cardinal, de tomber dans son seau. Et la vieille est partie avec ça. Et l'esprit dit, ne dit rien. Ok? Arrivé à la maison, l'esprit dit, prends le cardinal, il fait des incantations. Donc elle a fait des incantations sur le cardinal.
Et puis l'esprit dit, jette le cadenas a disparu et s'est rentré sous la terre. Et l'esprit dans la nuit, pendant qu'elle dormait, l'esprit dit, je veux, donne-moi 5 enfants. Le diable c'est mon cher, donne-moi 5 enfants et puis je veux te donner le reste, ce que je t'ai promis. Bon, elle est plus maintenant le dos mûr, elle n'a plus le choix. Donc l'année qui a suivi, son fils aîné est mort d'une maladie mystique. Il est tombé malade jusqu'à là, il est mort d'une anémie sévère. La seconde année qui a suivi, sa fille est morte de cette même maladie. La troisième année, pareil. C'est comme ça que les enfants interpellaient la maman pour dire viens t'asseoir. Le papa ne vit plus. Généralement, chez nous à l'Ouest, c'est comme ça. Hein. Nous, quand on voit les choses, disons, on t'interpelle. Hein. On dit si tu n'es pas dans le fait de sorcellerie, on ne peut pas mourir comme ça. On peut mourir d'une maladie mystique. C'est quelle maladie qu'aujourd'hui les médecins n'arrivent pas à détecter. Mais l'expression maladie mystique, ça veut dire qu'il y a un mystère, il y a quelque chose derrière. Il y a la maladie spirituelle et la maladie physique. Si on ne trouve pas, les médecins ne peuvent pas te soigner, mais c'est que le problème ailleurs. Donc les enfants interpellent la mère, et c'est comme ça la mère a fait des aveux aux enfants. Sachant rien faire, pouvait plus faire quelque chose. On dit, mais le prophète Crasso, c'est sa spécialité. Mais frère, moi c'est ma spécialité. Si tu es jaloux, mais tant mieux, demande à Dieu de te donner un don. Moi, mon don, je déteste les canaris. Je déteste les fétiches. Parce que fétiche, ça détruit. Quelqu'un qui est fétiché, il ne peut pas les détruire un fétiche. Donc, on m'invite. Fais les soins de délivrance. La vieille dit qu'elle ne peut pas parce que c'est le cerveau à mourir. Donc, moi, je prends sur moi le soin en tant qu'homme de Dieu. Parce que c'est Dieu seul qui peut vaincre le diable. Ça, je vous dis la vérité. Les gens écrivent sur la photo, les dinars, un démon a tabassé le prophète Crasso. Mais il m'a tabassé. Qui a gagné? Quand on fait par là, ce n'est pas celui qui donne le point qui gagne. Qui a gagné le combat? Marie Konaté, qui m'a gagné, qui est malade. Qui m'a gagné, Marie Konaté a donné un point. Qui m'a gagné, la dernière fois est tombée. C'est fini. Marie Konaté a pris KO. Qui a gagné le combat? C'est pas de gagner le combat. La personne qui s'appelle, c'est de gagner le combat que je suis là. Ou peut-être que ça vous effraie. Moi, je n'ai pas peur de la sorcellerie. Je n'ai pas peur des esprits. Je suis. La peur n'existe pas chez moi. Parce que j'ai promis Dieu. Moi, j'ai vu l'apparition de Jésus là. 28 fois. J'ai vu Jésus comme chanteur de l'eau. Donc j'ai réussi cette histoire de cadenas et j'ai localisé cette capacité de localiser là où il y a le fétiche. Je localise, je crée et devant eux, je détaille le cadenas. Jusqu'à aujourd'hui, les deux enfants qui devaient mourir, parce qu'il y avait deux enfants qui étaient encore programmés, ils ne sont plus morts jusqu'à aujourd'hui. Mais pourquoi vous prenez des méchants? Pourquoi vous me traitez de mauvais? La vie, ce n'est pas plein. C'est vous qui vous plaignez. Parce que j'en avais un petit, d'autres disent non, mais ils tombent en transe. J'ai dit, mais quand on délivre les gens, ils ne tombent pas en transe. J'ai une force de Dieu qui est tombée sur moi. Il y a des gens, ils prophétisent, ils parlent en langue, ils tombent en transe. Mais c'est des messages qu'ils donnent. Mais en quoi c'est mauvais? Là, même en train, est-ce que c'est mauvais? J'ai tué qui? J'en avais le fétiche. Ni la maman n'a pas été tabassée. Parce que je n'ai pas permis que les gens tabassent la maman. J'ai bien expliqué. Ce n'est pas de sa faute. Elle allait un esprit la blaguer. Elle est tombée dans le pied de l'esprit. L'esprit a commencé à faire son travail. Et moi, je suis venu faire mon travail. Pardonnez votre maman. Les enfants sont plus morts. Pourquoi vous me prenez pour quelqu'un qui est méchant? Pourquoi vous voulez forcément approprier ce qu'il est fait à diable? Pour amener les gens à aller chez les féticheurs? Parce que ce qu'il est fait, c'est tellement fort que vous voulez que les gens partent chez les... Bon, vous dites qu'il y a les féticheurs et les féticheurs. Donc, le fétiche, là, il est fort, là. C'est la question que je pose à ces gens qui sont aidés. Donc, ça veut dire que les féticheurs sont forts, là. Chez nous, tout le monde est féticheur. Quel pasteur? Ceux qui m'insultent, je ne suis pas la première personne qu'ils insultent. C'est ce que vous devez savoir. Je suis pas, ils sont arrivés sur moi. Parce qu'ils m'ont d'abord ignoré. Quand j'ai commencé à faire du succès en Europe, j'ai remplissé des salles. 3 ans, ils ont dit, il faut qu'on le freine. Ça, c'est la chose, la sorcellerie africaine, ça. C'est dans mon sang. Donc, ils ont commencé. Les photos là-bas, là, ça, c'est pas moi. S'ils veulent qu'ils viennent, j'ai en août une tournée dans les villages. Vous allez voir comme il était les fétiches. Venez, vous allez voir, ça sera en direct. Moi, j'aimerais que ces chaînes-là me suivent. Prophète, on aimerait que tu organises une croisade. Allons, je vais te suivre, on va faire des reportages. Venez, vous allez voir. Et puis, aujourd'hui, on a les Facebook Live. Tout en live. Vous filmez vous-même pendant mes séances. Si c'est pas envoûtement qu'il y avait. Vous savez bien, mais si vous rentrez les délais, les sorciers vont manger. Mais les sorciers, ce sont pas vos camarades. Les sorciers, ce n'est pas camarade de quelqu'un. Moi, il m'a sur le terrain, j'ai fait mon travail. Bon, donc ça veut dire sorcier, féticheur et les voiles. J'ai décidé féticheur, la famille ne meurt plus. La famille même dont vous parlez, vous ne connaissez pas le nom de la dame.
Vous ne savez pas dans quel village a fait l'opération. Vous ne savez même pas même le nom de la famille. Et vous prenez une image. Et vous exploitez une image qu'on a postée sur le YouTube déjà, vous la prenez, et à votre manière, vous l'exploitez. Or, nous, on les a interpellés. Vous dites, voici la vraie version. Ils n'ont pas besoin de demander pardon dans le secret. Mais ils continuent de faire des campagnes de dénigrement. Mais il y a un objectif, parce qu'on sait déjà, nous, personnellement, nous savons ceux qui ont mis l'argent derrière. Aujourd'hui, Facebook, là, c'est l'argent. Tu as ta page, tu la demandes, tu payes. Facebook dit que c'est chaud. C'est l'argent. Donc, ils ont commencé à faire leur truc. Mais comme Dieu est le Dieu de justice, nous ne laisserons pas notre combat. On ne se laissera pas distraire. Parce que moi, ça n'a pas eu d'impact sur moi, d'ailleurs. On n'a pas d'impact. Tous mes enfants spirituels commencent à les attaquer pour leur parler du témoignage. Si le prophète était faux, voici ce qu'il a fait pour nous. Moi, mon combat, il est énorme. Je suis venu aux États-Unis. Donc, ça veut dire que tout le monde est féticheur, quoi. Tous les pasteurs sont féticheurs. Ouais, bref. Parlez-nous un jour d'un bon pasteur dans vos émissions. Vous prenez pour dire, lui, il est bon, lui, il est bon. Mais toujours les féticheurs, il est féticheur. C'est vous qui parlez de fétiche. Moi, quand je parle de fétiche, je détruis ça. Moi, un fétiche, on est un camarade. J'ose même pas parler de ça. Je ne peux pas, maintenant, vous voyez un fétiche sur ma page, c'est que je viens de donner. Je donne une explication parce que je viens de détruire ça. Et moi, mes trucs sont filmés. Si j'étais un mystique, je n'aurais jamais filmé mes trucs. Mais je vous comprends parce que je marque vos papas Satan. Je vous dis, hein, vous m'avez plus encouragé. Hein. Vous m'avez pas découragé. Hein. J'ai maté la sorcellerie jusqu'à ce que Dieu m'en ait sur cette terre. Je continuerai de maquer là. C'est ça que ça vous fait mal, mais je vous maté. Prophète, je viens de recevoir un appel de RDC, des gens qui vous suivent. Ils voudraient savoir dans quelle mesure. Je me répète donc, je viens de recevoir un appel de la RDC, des gens qui vous suivent, qui voudraient savoir dans quelle mesure vous pouvez les aider à distance. À distance? Ça veut dire? Étant là-bas, dans quelle mesure vous pouvez essayer de les aider à résoudre leur... Bon, moi je peux prier pour eux, mais je suis un homme d'action, c'est comme un chirurgien. C'est les généralistes qui te font une ordonnance au téléphone. Et puis tu vas acheter dans une pharmacie. Moi je suis un homme d'action, là je plotte ma soutane, et puis je vais inviter les petits, ils vont me délivrer. Invitez-moi sur le terrain. Laissez un peu de distance au téléphone dans le distance. Invitez-moi à RDC. Donnez-moi un de là où il y a petit, il y a sorcellerie. Vous allez voir. Moi, je suis un homme d'action. Chacun a son nom. Il y a des gens, eux, ils sont là à distance, ils ne peuvent pas prier pour vous. Moi, amène-moi sur le terrain. Je suis un homme de terrain. Donc, dis aux gens de RDC, je prends l'ordre par rapport à leurs préoccupations, mais qu'ils m'invitent. C'est tout. Prophète, c'est vraiment le temps du travail que vous faites. Merci. Ma question est, est-ce que vous avez des élèves aujourd'hui à qui vous enseignez votre cours? Oui. Ils vont suivre votre trace. Tout à fait. Est-ce que déjà, vous sentez en eux, disons, le travail que vous faites, est-ce qu'ils avancent? Est-ce que vous croyez que, à leur niveau aussi, ils réussissent un peu à lutter contre la société? Très bien. Ok. Nous, on appelle ça disciple. C'est les disciples. Ok. Moi-même, d'abord, j'ai reçu une formation théologique. J'ai une licence en théologie. Je suis en train de préparer mon doctorat en théologie. Donc, je suis un formateur. J'ai aussi un diplôme en missiologie. Avant d'abord d'être sur mon ministère des prophètes, là, j'ai un diplôme. Mais je souhaite d'abord à l'école me faire former en théologie biblique. En théologie biblique, donc j'ai une licence. D'abord, j'ai sur le métier. Et après, je suis allé me faire former encore. Je suis allé encore faire une formation en missiologie, la vie missionnaire. Donc, je suis un formateur. La plupart de ceux qui travaillent avec moi, que ce soit le pasteur Serge, que ce soit le pasteur Philippe, ont été formés par moi. La prédication, hein, l'homélie, l'homélectique qu'on appelle l'homélectique, voilà. C'est moi qui les ai prêchés, et c'est moi qui les ai enseignés ça, l'homélectique là de la prédication, et l'homélectique là de l'interprétation, parce que c'est deux trucs. Il y a l'homélectique et puis il y a l'homélectique, c'est moi qui les ai appris tout ça, et puis la missologie, c'est moi qui ai enseigné. Donc j'enseigne les gens, en fonction de leur ministère. Mais le temps du prophète, c'est moi qui l'ai reçu le temps de prier. Je suis en train de prier pour que le Seigneur les appelle. Ce n'est pas moi qui appelle les gens. Ce n'est pas moi qui dis venez et puis je vous ouvre les yeux. Non. J'ai reçu le don. Je forme les gens. Je les forme dans un. À prêcher. Parce que nous, notre mission, c'est d'aller prêcher l'évangile. Et puis maintenant, on peut délivrer quelqu'un. Maintenant, je suis en train de prier Dieu pour que Dieu. Mais le pasteur Philippe aujourd'hui, la plupart de ceux qui sont avec moi, vous savez, quand vous frottez quelqu'un qui a une onction, l'onction tombe sur vous. Il n'y a rien à faire. C'est comme Élie et Élisée. Donc je vois que dans parmi les disciples qui sont là, les pasteurs qui sont là, les évangélistes,
Je déteste en eux beaucoup de dons, parce que le pasteur Philippe a la capacité aujourd'hui de savoir qui est sorcier. Et quand tu suis mes enseignements, par exemple, tu peux déjà arracher les adieux. Ce n'est pas un don. Hein. Tu peux commencer, c'est pour commencer ou terminer. Voilà, parce que nous, on sait comment. Oui, c'est une école. C'est pour ça que c'est un peu ouvert à tout le monde. Quand je commence à arracher les aveux, qu'est-ce que tu as mangé, qu'est-ce que tu as fait, c'est une école. Donc quand quelqu'un suit mes vidéos, il peut déjà savoir qui peut être sorcier, qui n'est pas sorcier, dans son comportement. Parce que j'enseigne ça. Dans le comportement d'un individu, vous pouvez reconnaître la sorcellerie, dans son langage, dans sa manière de faire. Pour ceux qui me suivent constamment, il peut déjà détecter un sorcier. Donc, les pasteurs et les évangéliques qui sont avec moi, je pense qu'ils sont bien formés. Ils sont déjà très bien formés, on continue de les former. Voilà, comme je disais, je ne suis pas l'homme qui se lève le matin pour aller faire des églises. Moi, je suis un prophète, j'ai un secteur. Un prophète, un messager. Sinon, si moi je voulais avoir les églises, je voulais avoir la plus grande église d'Abidjan. Et ça ne se discute pas. Ça ne se discute même pas même. Parce que moi, quand je ne fais pas bruit, mais quand j'arrive quelque part, le monde rentre dans la salle sans truc, et puis c'est du concret. C'est du concret. J'ai là où il est grand dans l'église ici. La preuve, quand j'étais à Baltimore, j'ai vu une servante de Dieu appelée l'église. Les gens sont venus, j'ai dit non. Je m'en vais, mais je vous confie à une église. Parce que moi, quand je fais des travaux, je confie les gens à l'église. Mais c'est pour dire que le prophète Crasso n'est pas limité à quelque chose. Voilà, donc, mes gens sont bien formés par la grâce de Dieu. Parce que c'est la formation théologique qui est plus importante, cette formation théologique, la connaissance de Dieu. Et puis, là, la prédication, l'hémélétique, l'orgélétique, l'homélie, la prédication. On a promis les gens, ils sont prêts, ils vont des voyages. Le pasteur, mes pasteurs, iront cette année. En tournée, ils seront au Sénégal, ils seront au Cameroun, en train d'aller prêcher l'évangile. Quand je rentre, j'ai une tournée au Cameroun, tout au Sénégal, et puis on aura une tournée au Cameroun, en Centrafrique, pour aller prêcher l'évangile. Avez-vous été durant vos tournées dans un pays, par exemple, Non, mais je voyage sur l'invitation. Voilà, je voyage sur l'invitation. Moi, je disais. Oui, même en dîner. En dîner qu'on a cuit, j'ai fait un dîner qu'on a cuit. Voilà, j'ai fait un dîner qu'on a cuit, j'ai fait un dîner qu'on a cuit, j'ai fait zéro courrier, j'ai fait beaucoup de trucs. Mais je pense que l'islam, c'est pas un problème pour nous. L'islam n'est pas venu freiner un don. Voilà. Moi, je ne mets pas ça au devant pour dire, je ne suis pas de gens cardiniens qui disent qu'il faut forcément me suivre la confiance au don que j'ai. C'est l'essentiel, c'est déjà suffisant. Voilà, donc j'ai plus pour lui. Voilà, j'ai plus pour lui. Donc le problème de l'islam, la plupart des gens ici là. Et puis d'ailleurs, c'est les musulmans même là qui sont, on est beaucoup amis, les chrétiens même m'insultent. Les musulmans qui viennent au ministère. Hein. Nous les chrétiens, on est trop jaloux. C'est les musulmans même qui soutiennent mon ministère. La plupart des choses plus amis aux musulmans que les chrétiens. Voilà. Aujourd'hui, là même, tout ce qui se passe, c'est des pasteurs qui m'ont appelé. L'apôtre Mohamed, l'apôtre Dao, le révérend Yuma qui m'ont appelé. Il y a des pasteurs qui me sont beaucoup. Mais dans nos corporations, il y a trop de jaloux. Il y a un peu ça. Quand les gens voyagent, c'est-à-dire quand ils les montrent, miam, ça choupe les cœurs. Ils sont fâchés. Parce que New York, ce n'est pas tout le monde qui vient à New York. Il faut mériter ça. Alors, pour mériter les francs là-dedans, j'ai des voyages passés, je mérite ça. C'est mon travail bien fait. Si vous pensez que j'étais connerie là, si j'allais venir ici, vous pensez que les gens sont bêtes. Je suis venu en première classe parce qu'ils font mon travail. Quelqu'un qui n'a jamais été guéri par moi ne peut pas payer première classe pour venir ici, en France. Alors, je suis parti en France, en première classe, je voyage. Mais écoutez, les gens ne sont pas sauvages. Ils vont mettre dans l'arrière comme ça, je ne les en veux pas. Mais c'est parce qu'ils ont été guéris, ils ont été délivrés. J'aimerais que les gens bénéficient du don qu'il y a en moi. Alors c'est tout. Sinon l'islam c'est pas un problème. D'ailleurs, ils m'attendent beaucoup à la religion. D'ailleurs, moi-même j'ai pratiqué la religion. Donc c'est pas un problème. Tu peux donner un musulman. Mon chauffeur même les musulmans. Mon chauffeur aujourd'hui les musulmans. Mes deux chauffeurs sont musulmans. J'ai pris ses sucres, il va faire carême. Je préfère quelqu'un qui croit en Dieu que quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Quelqu'un qui ne croit pas, je vais le tuer. Même à l'église, même ceux qui vont à l'église, il y a beaucoup de satanistes dedans. J'ai fait une expérience, j'ai pris les critères de conduite, mais c'est des malhonnêtes. J'ai mis l'argent dans ma voiture, j'ai le temps, ils volent ça. Mais le musulman, il prend, il vient me donner. Le musulman, il donne 200 000 francs, il vient, j'oublie, il fait semblant d'oublier, il me rappelle de lui, non, et puis j'oublie. Un mois après, il me donne, mais j'ai fait ça aux chrétiens. Ils ont tous bouffé mon argent. Après, pour dire, il faut que le prophète me pardonne, la Bible dit de pardonner. Maintenant, si je parle, ils vont dire, le prophète est méchant. Vous comprenez donc, j'ai fait l'expérience entre le chrétien et le musulman.
j'ai trouvé que le chrétien, excusez-moi, moi c'est ma propre expérience, ça n'engage que moi. Voilà, parce que par moments les gens ils aiment, ah, ça n'engage que moi. C'est l'expérience que je fais de ce que je suis en train de parler. Donc moi, mes chauffeurs sont musulmans, peut-être qu'il entend aussi même ma vidéo. Il est chez moi, il est mon confident. Il prie pas moi, il n'est pas mon fidèle. Mais l'heure des prières, il garde la voiture, va prier. Je préfère que tu pries, hein, que de ne pas prier. Là, il ne prie pas, tu vas me manger. Tu vas t'entendre les sorciers, ils vont me jeter dans le ravin. Monsieur va prier. Parce que prier là, ça va vers Dieu. Donc je m'attends avec tout le monde. Voilà. Donc je ne suis pas fermé, je suis très ouvert. Pendant les élections, pour prévenir un peu si vous Bon, moi je n'ai pas, je ne prédis pas, je ne rentre pas dans les trucs de politique, mais j'ai donné beaucoup de conseils aux politiciens. Voilà, je préfère te dire ça, j'ai donné beaucoup de conseils aux politiciens, il y a d'autres qui n'ont pas écouté, ils ont eu des problèmes. Mais je ne rentre pas dans les prédictions, lui sera président, il ne sera pas président, ce n'est pas de mon sort. Moi, c'est de prier. Quelqu'un prend un parti politique, je le suis. La preuve, c'est que le président Lassane dirige la Côte d'Ivoire, qu'on veut ou pas, c'est lui qui est notre président. Je ne suis pas en train de faire la politique, c'est lui qui est notre président. Qu'on veut ou pas, qu'on a des migraines ou pas, on est fâché, il est notre président. Ça ne m'empêche pas de dire aux gens de venir investir en Côte d'Ivoire. C'est lui qui est au pouvoir. Donc, quelqu'un qui n'aime pas un président, il ne va jamais dire aux gens de venir. Moi, j'aime ma Côte d'Ivoire. La plupart des politiciens, c'est des menteurs. Moi, je n'aime pas eux. Je n'aime pas ma partie qui est la Côte d'Ivoire. Je dois, moi, faire de telle sorte que les gens comprennent qu'il ne faut pas brûler la Côte d'Ivoire. Donc, j'évite les propos qui vont exciter les gens à la haine. J'évite ça. La seule chose que je demande aux gens, si vous êtes dans la diaspora aujourd'hui ici, si vous n'êtes pas en Afrique, les balles là, ça n'écrit pas RDR, ça n'écrit pas FI. On n'a qu'à veiller sur nos langages. Parce que la guerre qu'on a connue, c'était grave. Si on n'a pas tiré une leçon de ça, c'est encore très grave. Si on a des propos, franchement, il ne faut pas inciter les gens à la haine. La Côte d'Ivoire, il ne faut pas la faire brûler. Seul Dieu a le pouvoir de faire tout. Moi, en tant qu'homme de Dieu, j'ai pris. L'âme que j'ai, c'est la prière. Celui que Dieu veut sur la Côte d'Ivoire, il va l'imposer. Par tous les moyens. Voilà, donc moi, les propos de politique, mais beaucoup des autorités ou même de consultes, j'ai aidé beaucoup de gens qui ont été paralysés dans leur maison pendant une semaine, je suis rentré. Je ne dis pas les noms. Ils sont venus me chercher notamment chez moi à Abidjan. Je suis allé verser une sur qui les fait les deux. Oui. Des ministres, je ne dis pas les noms ici, des ministres. Je suis quelqu'un qui fait un travail dans le secret, ça n'engage que moi. Je n'aime pas exposer les gens. Des ministres qui étaient paralysés. Parce qu'on les a fait des attaques mystiques. Ils sont allés les faire lever de leur chambre. Ils savent. Ils me voient, mais c'est parce que quand ils ont des problèmes qu'ils viennent vers moi, après ça ils m'oublient. Souvent ils leur disent, mais attendez, vous-même là, vous voulez, je suis un instrument au pied. C'est quand vous avez des problèmes, vous me voyez, et puis c'est pas au niveau de la Côte d'Ivoire. Au Gabon, je vous dis la vérité. Il y a beaucoup de choses. Mais oui, ils savent. C'est pour ça qu'il est dit aujourd'hui. Il y a ce que vous dites, et puis il y a des choses. Que les gens ne sont pas bêtes, sont là à l'école. Au contraire, quand vous parlez mal du prophète, ça encourage les gens à faire enquête sur lui. Vous faites une publicité sans le savoir. Mais les gens ne sont pas bêtes pour avaler ce que vous êtes en train de dire. Pourquoi c'est de lui que l'on parle, il est mauvais. Ok, on va essayer d'étudier. Et quand les gens te couvrent, pourquoi l'ambassadeur de Noni m'a reçu? Il m'a suivi. Donc c'est comme ça, bien-aimé. Je ne suis pas un homme méchant. Hein? Les autorités me fréquentent. Moi, j'apporte des conseils. J'aide aussi les gens. J'ai une question pour vous. Qu'est-ce que vous donnez comme garantie que quand vous allez délivrer les gens de la sorcellerie et que cette personne-là est libérée pour le reste de sa vie, est-ce que les sorciers ne vont pas encore, des années plus tard, reprendre leur travail? Très bien. Merci. Voilà, ça c'est une très belle question. Moi-même, je t'acclame. C'est une belle question. Parce qu'aujourd'hui, il faut avoir des garanties. C'est comme ça, quand tu mets ton argent à la banque, il faut être sûr que ça ne peut pas être touché. Voilà. Très bien. D'abord, la sorcellerie, c'est quoi?
J'applaudis parce que tu as abordé un thème qui est beaucoup intéressant. C'est un démon qui habite des gens et qu'on appelle esprit méchant. Donc dans son comportement, il y a la méchanceté. Il peut même tuer son père, son fils, sa fille, il lui fait du bien, il peut tuer. Okay? Nous, on a cette possibilité au nom de Jésus. Quand d'autres personnes disent que je chasse pas les démons au nom de Jésus, il y a une mère fils qui a dit, mais on voit que tu chasses les démons au nom de Jésus. Peut-être qu'ils ne savent pas, mais je ne sais pas quel nom, mais c'est le nom de Jésus que je prends pour chasser les démons. Voilà. Ok, donc on chasse le démon, comme l'esprit, la nature aura du vide, nous demandons au Saint-Esprit d'habiter cette personne. Vous comprenez déjà, vous allez comprendre avec les deux esprits. Il y a le mauvais esprit qui est un démon, qui pousse le gars à faire la sorcellerie. Maintenant, le Saint-Esprit vient apporter un esprit qui est saint. Voilà, amener cette personne d'être bien. Ok, maintenant la personne prête serment. J'explique. Il y a juré, puis a prêté serment. Ok, je pense qu'on dit graduation, ou même quoi. Quand les gens sortent, il lève la main et dit je prête serment, ou dit désormais je vais. Ça, le serment, c'est entre Dieu et l'individu. Devant Dieu, ça n'engage que l'individu et Dieu. Donc quand cette personne prête serment, ou dit devant Dieu et les hommes, je décide de ne plus jamais retourner à la sorcellerie. Nous avons aussi l'onction pour sceller ce qu'il est en train de faire. Mais de lui, qu'on appelle l'onction d'huile, pour sceller ses paroles dites. Et donc quand il viole cette parole, selon la parole de Dieu qui dit, c'est par ta parole que tu seras condamné et ta parole sera justifiée. Quand il retourne à la sorcellerie, effectivement, il est frappé d'une maladie, il sent puis meurt. Nous avons beaucoup d'exemples. Il y en a beaucoup, plus d'une soixantaine de témoignages comme ça. Il y en a plus d'une chose. Il y en a plein de témoignages comme ça. Donc c'est rien de garanti. Voilà. Maintenant, l'individu qui a dit qu'il n'est plus dans la sorcellerie, qui vient dans le camp de Dieu, Dieu le protège. Parce qu'il a laissé le camp du diable, il est venu dans le camp de Dieu. Mais ça y va de sa foi et de sa marche avec Dieu. Ce n'est plus une question de prophète Crasso. On t'a montré le chemin de Dieu. On t'a dit, laisse le camp du diable, marche maintenant avec Dieu. Donc ça n'engage que toi. Si tu joues avec cette histoire, mais tu payeras ça avec le diable. Parce que le diable ne s'amuse pas. Le diable ne s'amuse pas. Donc nous, notre message, c'est quoi? C'est d'amener ces individus à Dieu. Et c'est Dieu qui les protège. Nous prions pour eux. Nous avons des actions que nous menons chez eux. Par exemple, je peux rentrer dans une maison quand c'est envoûté. Il y a des choses que je dois faire, telles que de l'huile d'onction que je mets dans la maison. C'est vraiment important pour tout le monde d'ailleurs. Et quand les sorciers arrivent à te noircir, l'onction d'huile, on le fait pour nettoyer ta vie. C'est une action qu'on mène pour aider les gens, même dans les finances, même dans les mariages, tout ça. Il y a des actions qu'on mène pour aider les gens. C'est une révélation qu'on a reçue de Dieu qu'on appelle une sainte. Ok, quand on finit ça, on te dit, il faut suivre Dieu. Il faut le suivre. Alors quand tu suis Dieu, c'est encore plus une garantie. Voilà, je pense que j'ai bien répondu à la question. Très bien. Le micro. Merci bien, mon prophète. Ouais. Moi, c'est vous aider, je suis de valoir la bien. Okay. Et je crois que j'ai tout compris. Et beaucoup ont posé des questions. Mais la dernière question, je crois que vous avez déjà parlé de ça un peu. Comment est-ce que je peux détecter un sorcier dès que j'arrive à mon village? Ça, c'est la première question. Maintenant, la deuxième, elle n'est pas une question. Seulement, je vais faire une suggestion. Vous avez montré les photos que vous avez fait, vous avez. Les deux. Nous sommes ici, en Amérique. Le travail que vous avez fait, c'est un très bon travail. Comment est-ce que nous, étant ici, on peut vous aider? C'est-à-dire, nous ici, il y en a ici qui ont la possibilité d'avoir des habits, des enfants, des chaussures, des chaussettes, des savons. Et ça, on peut mettre ça sous embarquement, puis vous envoyer. Non, tu gères ça. Notre ONG a un agrément. Moi, je n'ai pas de problème, ça peut passer tranquillement. C'est là, peut-être que moi, je peux faire ma chambre. Non, il n'y a pas de problème. Je vais répondre d'abord à la question, mais je pense que c'est que les petits s'écrivent pour détecter un sorcier et ça. Je pense que ce que j'ai fait ça comme séminaire. J'ai d'abord enseigné. C'est pour ça qu'il faut être présent dans la salle. Parce que ça va prendre beaucoup de choses. Ça va prendre beaucoup de temps. Voilà, ça va prendre beaucoup de temps. Mais je pense qu'il faut que toi-même, ta marche chrétienne est importante. Ta vie avec Dieu, elle est beaucoup importante. Dans tout ce que je suis en train de faire, c'est pour ramener ceux qui n'avaient pas Dieu à venir vers Dieu.
Donc ça, c'est dans un grand pas très important. Dieu d'abord. Parce que même si on peut décréter un sorcier, qu'on n'a pas, on ne fait pas la volonté de Dieu, ça serait un problème pour nous-mêmes demain. Parce que le sorcier, c'est celui qui fait la volonté de Dieu, celui qui ne fait pas la volonté de Dieu. Vous comprenez? Donc, mais j'aurai l'occasion d'expliquer. Ce que je suis en train de dire là, je vais développer ça pendant les 3 jours. C'est-à-dire la théorie et la pratique. Je ferai la théorie et la pratique. Tu ne comprends pas beaucoup de choses. Mais n'aie pas peur, parce que ce qui sera fait sur toi, tu vas rentrer dans un domaine où, quand le sorcier te voit, lui-même, il a peur. C'est ce que je venais te faire. Je suis venu te faire choubouya empoisonné. Choubouya empoisonné. Quand le sorcier voit ton odeur, il fuit. Voilà, c'est tout ce que je suis venu faire d'ailleurs. Et puis, vous motiver, vous venez. Là, vous êtes sûr que vous venez en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. C'est notre souhait d'ailleurs. Et c'est le souhait de Dieu. Parce qu'ici, ce n'est pas chez vous. La volonté de Dieu, c'est le travail. Et vous travaillez. Et j'aime bien le système américain. Mais malheureusement, les finances, le diable attaque beaucoup les finances. Beaucoup les foyers. C'est tout ce qu'ils sont là. C'est pour cela que pendant cette période-là, j'aurai l'occasion de parler de beaucoup de choses. Et en même temps, prier pour vous, pour que l'argent. Parce que l'argent, j'ai demandé de faire pour que l'argent vienne. On a cette technique, on a laissé cette technique. Hein? J'ai te dit aussi comment faire pour que ça reste. Parce que si tu ne donnes pas, ça ne va pas rester. Pourquoi aujourd'hui les gens sont exprimés? Non, vous ne donnez pas la bonne personne. Vous ne donnez pas l'église. Vous ne donnez pas comme il devait donner. Je vais expliquer un peu après. Comme je dis dans mon exposé, je vais expliquer beaucoup de choses. Moi aujourd'hui, je n'ai pas de problème. Dieu me bénit. Parce qu'il a compris une seule chose. Je peux avoir 100 000. Je m'avais acheté quelque chose. Les gens m'interpellent à s'opposer, on m'emmerde. Je vide les 100 000. Quand j'arrive chez moi, on m'appelle pour dire ah, on va te donner 300 000. Quand j'ai vu ce secret là, 2-3 fois comme ça, c'est fini. Je suis pressé de donner l'argent. Hein. Parce que l'argent, c'est important. Tu n'as pas l'argent, tu es possédé. L'argent est très important pour l'être humain. L'amour d'argent, je viens de dire, ah non, il ne faut pas aimer l'argent. Je n'aime pas l'argent, pourquoi tu gères ça? C'est aimer l'argent, l'homme plus que l'argent, l'argent plus que l'homme qui n'est pas bon. Sinon, on aime l'argent. Quelque chose qui n'aime pas, de ne pas chercher. Moi, je profite, j'aime l'argent, je cherche l'argent. Parce que l'argent, tu n'as pas. Celui qui n'a pas l'argent et celui qui a l'argent n'ont pas les mêmes mentalités. Celui qui n'a pas l'argent, il est possédé. Parce qu'il est envieux, il est aigri, il a les mauvaises pensées, il devient sorcier. Mais c'est la vérité, je vous dis. Quelqu'un qui est dans la chambre n'a pas l'argent, il y pense qu'il y a quelqu'un qui a faim, qui est dans une chambre, en train de dormir, qui n'a pas l'argent, il va aller voler. Et une jeune fille qui n'a pas l'argent, elle va se prostituer. C'est pour ça que le diable attaque les finances. Hein, vous comprenez? Donc on va vous montrer comment se donner. C'est l'argent qui appelle l'argent. Si vous prenez là, vous prenez le temps d'investir dans l'orphelinat, investir dans l'histoire des veuves. Dieu ne joue pas avec ces deux personnes, les veuves et les orphelins. Si vous rentrez dedans, vous attaquez, c'est le secret des Américains, ils aiment donner. C'est le secret. Mais les gens, pourquoi nous les Africains sommes pauvres? On n'aime pas donner, on veut toujours recevoir. Or, la Bible dit, il y a plus de bonheur de donner que de recevoir. Vous comprenez? Moi, je donne. Parce que j'ai compris que si je veux avoir l'argent, c'est donner. Et donc, depuis que je suis rentré dedans, je me bénis. Comment j'ai fait pour nourrir les veuves? Comment j'ai fait pour payer? Mes dépenses, c'est 2 600 000 par mois. Je vous dis aujourd'hui, cher Bigot, j'ai l'orphelinat, j'ai les dépenses, les salaires des gens de l'orphelinat, le budget des gens de l'orphelinat, mon personnel, le plus petit, est à 100 000 francs, les gens sont payés à 150 000, tout le monde est payé, il y a au moins 36 personnes sous ma charge. J'ai le bureau, j'ai mon dortoir, j'ai la résidence, j'ai le centre de prière, on n'a pas encore d'église. Toutes mes dépenses sont 2 600 000 francs par mois. J'en ai ça où? Mais j'ai compris le secret. Mais c'est parce que les gens ne savent pas. C'est des charges. L'internet, on paye. Chez nous, en Afrique, on a 40 gigas. C'est de l'argent chez nous. C'est coûteux. Tout ce qui est communication est cher chez nous. Où en est l'argent? Mais c'est tout ça. Tout ça. Comme Dieu est dans ce que nous faisons, Dieu nous bénit. Il touche des personnes de bonne volonté. Il nous vient en aide. Mais j'ai compris que si moi-même je me lance pas dans la chose, en train de soutenir les gens, en train de faire des choses que Dieu approuve, moi, si je suis désapprouvé par Dieu, je ne serai pas béni. C'est cela que par moment, je suis beaucoup en train de soutenir. Donc, le secret, j'aurai l'occasion de vous partager ça.
puis c'est important d'avoir d'abord un guide spirituel. Avant d'investir, vous devez savoir est-ce que c'est vraiment l'endroit dans lequel on doit investir. Sinon, vous investissez dans un endroit que vous ne faites pas et vous échouez. Donc, on va vous coacher. Je suis venu pour faire du coaching aussi spirituel, en fait, de pouvoir vous aider. Parce que le prophète est un guide spirituel. Parce que notre souhait, c'est que vous finissiez votre maison au village, à Abidjan. Parce que demain, on va vous attendre. Voici l'Américain moisi. Vous connaissez bien nos bouches en Afrique. Ils vont te persécuter. Quand tu vas avoir migré, AVC va te prendre, tu vas aller sous la terre. Voilà. Donc, or, ils sont à la base de tes problèmes. Donc, c'est pour tout ça que je suis là. Voilà. C'est pour tout ça. C'est rien que ça. Pour vous soutenir. Moi, j'ai un don. Et ça, ça ne se discute pas. Si je me jette au Congo, c'est la même chose. Si je me jette dans la tout, c'est la même chose. Je suis venu vous aider. Il y a des gens, quand vous rencontrez, vous ne devenez plus la même personne. C'est comme des clés. Je pense que je suis une clé entre la main du Seigneur pour vous aider. Et pendant tout ce programme-là, amen, ne me voyez pas pour d'autres personnes comme quelqu'un qui est méchant, mauvais. Les autres sont là. D'ailleurs, c'est à cause de ça que je suis là. C'est à cause de ça qui fait le tourner. Si c'était mauvais, je n'ai jamais tourné. C'est, voilà. C'est les aigris qui sont en train de m'insulter. Si c'était mauvais, je n'ai jamais fait. Et puis, d'où moi, je cherche l'approbation de Dieu. Vous savez, il faut mieux faire la volonté de Dieu qu'il fait la volonté des hommes. Les hommes peuvent te désapprouver et te rencontrer des choses. Quand Dieu est avec toi, Dieu transforme ce qu'il dit en bénédiction. Pendant que les gens parlent sur moi, mes abonnés sur YouTube grandissent. Moi, je rends ça nombre. J'ai eu déjà plus, en 3 jours, j'ai eu déjà 800 abonnés. Ils ont mis plus. Ils ont commencé à s'abonner. Parce que forcément, une vidéo va te toucher. Il y en a 5000. Tu vas mener des enquêtes. Une vidéo, quand une vidéo va te prendre, les autres vidéos te prennent. Parce que je ne suis pas forcément en train de délivrer, je suis en train d'aider les gens dans la rue. Moi, je m'occupe des gens, les prostituées qui ont été délivrées, je m'occupe d'eux. J'ai financé le commerce des gens. Il y a plein de choses que j'ai fait. Voilà, donc, que Dieu te bénisse. C'est pour tout ça que tu es là, vous aurez beaucoup de choses. Moi, c'est Ange Marie. Je pense que la première fois qu'on vous a dit, vous avez dit que vous venez de Gaïnois. Mais pourquoi le choix de Tigo? Très bien. Faut régler ton téléphone. Pas ton téléphone. On m'appelait. Tu m'as appelé. Ok. Pourquoi mon choix? Pourquoi répondre à la question? J'ai dit la première fois quand je vous l'ai vu à Tibor, vous avez dit que vous venez de Gaïnois. Très bien. Mais votre choix, pourquoi vous êtes installé à Divo? Et ma deuxième question, votre combat, le combat contre les sorciers, est-ce que vous n'êtes pas sûr dans ce combat? Ou vous n'êtes pas le seul prophète? C'est vous qui avez le don de chasser, de délivrer les gens de la sorcellerie. Okay. Voilà, très bien. Mon choix de Divo ne dépend pas de moi. J'ai été infecté par mon employeur. Mon employeur, c'est Dieu. Qui aimerait rester dans le village? Moi, j'ai fait mon adolescence en Europe. Je connais l'Europe, j'ai tout ça. Je connais aussi Abidjan. Donc, la logique, justement, aurait voulu que je commence à Abidjan pour évoluer. C'est Dieu qui m'a parlé. Divo est la plus grande plateforme de sorcellerie en Côte d'Ivoire, dans toute la Côte d'Ivoire. Donc, là où il y a des bandits, c'est là où on a fait les plus puissants, les policiers. Donc, je suis parti dans cette région sous recommandation de Dieu, dans la broussaille là-bas. Aujourd'hui, le maire de Divo est devenu le ministre des infrastructures. Je ne sais pas si vous le savez, et ce ministre-là même, là, il était le maire de Divo, j'ai même prophétisé sur lui. Il y a beaucoup de choses, peut-être que les gens ne savent pas, peut-être qu'ils savent. Le maire de Divo aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est en train d'arranger nos voix, parce que c'est dans nos prières que quelqu'un, parce que, en fait, les Dida, quand un Dida devient grand, un gradé, c'est-à-dire au sommet de la nation, le détruit. Vous allez voir Louba François, il est mort d'une mort bizarre. Bouga Doudou, tous les ministres, regardez un peu leur comportement. Les Dida, c'est les meilleurs sorcellerie. C'est pour ça que Dieu m'a envoyé dans cette région. Depuis qu'il est dans cette région, j'ai maîtrisé la région. Parce que chaque fois, les gens envoyaient les gens me tuer. J'ai eu trop d'attaques. Mais aujourd'hui, je suis vivant. Pas parce que je suis bêté qui doit travailler à Gaïnois. Mais non, je suis là parce que j'ai obéi à l'ordre de mon patron, qui est Dieu, qui m'a envoyé à Divo. Souvent, les gens veulent que je veulent me construire des maisons d'une église de 2000 places à Abidjan. Moi, je refuse parce que je ne marche pas sous la recommandation d'une personne. C'est Dieu qui m'a affecté à Divo. C'est pour ça que je suis à Divo. Maintenant, le combat de la sorcellerie, c'est dans ce combat-là que tout le monde veut se mettre.
c'est pas forcément Crasso. Crasso est venu pour dire, c'est toi comme un propulseur, pour dire, voici notre combat. Les autres ont peur. Mais moi, personnellement, j'ai reçu le mandat. C'est-à-dire, moi, personnellement, c'est Dieu qui m'a parlé pour dire, voici ton combat. Mais en réalité, c'est le combat de tout le monde. Donc, je me dis, les pasteurs, quand vous allez dans une église, vous chassez quel esprit dans la vie des fidèles? Quand vous priez pour eux, vous adressez à quoi? Parce que si vous ne parlez pas de sorcellerie, vous parlez de quel esprit? Donc, en réalité, il y a quelqu'un qui est comme un éclaireur, et c'est par lui que Dieu passe pour stimuler, pour réveiller le don qui était dans la vie de d'autres personnes qui étaient cachées. Parce que les gens ont peur de la sorcellerie, et puis la sorcellerie, c'est pas amusement. Parce qu'il y a des villas où je suis rentré, j'ai été secoué par la sorcellerie. Pendant une semaine, je suis secoué et puis ça me passe. Oui. Il y a des points où je reçois des balles mystiques. Et puis ça passe après. Voilà. On tire six mois, à bout portant, on tire. Et puis les balles là partent après. À Zegreboué, comme ça, avec Fresco, quelqu'un a tiré six mois à bout portant. Il s'appelle Guitambé. La vidéo est même en ligne. Je lui ai demandé pourquoi tu as tiré, il voulait m'essayer. C'était le sniper de la sorcellerie. Il a confié. J'ai vécu trop de choses pour qu'aujourd'hui les gens rencontrent ce qu'ils ont venu rencontrer. Voilà, donc au fait, tous les pasteurs doivent se mettre dedans. Moi je suis vraiment choqué, je suis vraiment étonné et que d'autres pasteurs restent sceptiques. Bon, quand vous faites votre délivrance, vous délivrez quoi? Chacun a sa spécialité. C'est comme ça à Divo, les gens me dénigraient dans les églises. Plus on me dénigre dans l'église, les gens viennent chez moi. C'est ce que le prophète Crasso fait à part l'église. Il aide les gens. Vous ne faites pas ça chez vous. Moi, après le culte, je peux donner 20 000, 10 000 francs aux gens pour aller manger.